Bonjour à tous, c'est Céline Scrap, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on est samedi 13 juillet. Je suis ravie de vous revoir. Il y a un petit moment que je n'ai pas tourné de vidéo. Vous savez que la dernière fois que je vous avais fait un gros, gros haul. Là, du coup, je me suis un petit peu calmée. Vous imaginez que mes finances, elles n'ont pas trop suivi. Ma vie, elle a été un petit peu particulière ces derniers temps. Mon ex a mis en place la garde alternée depuis une semaine. Donc, il a récupéré mon fils cette semaine. Donc, je ne l'ai pas trop vu. Là, ils sont partis. Donc, je peux vous faire la vidéo tranquillement. Parce que ici, les murs ont des oreilles. Vous vous doutez un petit peu la paire d'oreilles que c'est. C'est mon ex. Voilà, je m'amuse bien. Je me reconstruis. J'avance pas à pas, petit à petit. J'avais rencontré quelqu'un, mais juste pour une soirée. Ça m'a permis de mettre en perspective beaucoup de choses. Voilà. Donc ce soir, c'est samedi soir, je ne sors pas. On va rester au calme parce que je suis fatiguée, je suis crevée. Le week-end dernier, c'était la fête dans mon village. J'ai eu 3 jours de fête. Vendredi, samedi, dimanche. Un peu beaucoup pour moi, un peu beaucoup pour ma maladie, un peu beaucoup pour mes jambes. Bon, c'est voilà. Sur ma table, l'avantage d'être toute seule ici maintenant, c'est que ben, c'est le bordel. Céline est dans la place. Bon, après, j'essaye de ranger un petit peu, mais là, j'avais fait du scrap. Donc, c'est ma table de cuisine, de salle à manger. Il y a tout dessus. Je mange là où je trouve de la place. Et là, j'ai mis mes achats de lundi. Donc, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais acheté chez Noz et chez Action lundi. Alors, je ne sais plus quel lundi c'était. Lundi précédent. Lundi 8, 7, 8, je ne sais plus. Enfin, voilà. Donc, voilà. Alors, par contre, je vais vous présenter un petit peu dans le désordre. Je vais essayer de vous présenter beaucoup de scrap. Il y a quelques articles que j'ai achetés non scrap. Du shampoing, de la crème pour les mains, du gel douche. Là, on va le mettre de côté. Vous voyez, c'est à sa place encore. Voilà. Donc, je vais commencer par ma droite. Donc, je suis allée chez Action. J'ai racheté ceci. Alors, je ne l'avais pas pris celui-là. Il est un motif un peu jungle, dirons-nous. Alors, je l'ai pris parce que vous savez que pendant mes vacances, j'ai amené mon fils au zoo de plaisance du Touche. Voilà, on a pris quelques photos. Donc, du coup, j'aimerais bien les présenter sur autre chose que mon Project Life. Donc, si je me suis remis au Project Life, j'ai fait que 2 pages. Je ne vais pas trop vous les montrer parce qu'il y a des visages d'amis à moi. Et ce n'est pas à eux de se retrouver sur mes vidéos. Voilà. C'est une chose personnelle, les vidéos. Les gens font ce qu'ils veulent après. Voilà. Donc, j'ai pris ceci. Ne me demandez plus le prix, j'ai plus le ticket de caisse. Ensuite, j'ai pris des pots comme ceci. Alors, c'est des pots à confiture normalement. Moi, ça sera pas pour la confiture. En fait, j'ai beaucoup aimé le dessus. C'est hyper mimi. Et en fait, ça sera pour me ranger mes scrabidules. Donc, j'en ai pris 2. C'était 89 centimes, je crois. Une chose comme ça. Moins d'un euro. Alors, toujours à. Non, toujours à Action. Ça, c'est égal. J'ai pris. Alors, je m'étais raisonnée. J'avais dit au prix qu'ils sont. Et surtout, j'avais vu beaucoup de vidéos où les gens disaient qu'ils n'étaient pas terribles. Et puis, je m'en vais à Action et je me suis pris les nouveaux aquamarqueurs. Par contre, j'ai pas trouvé le nouveau papier à quoi? Ah, ça va pas me revenir. Watercolor. Aquarellable. Voilà. J'ai du mal. Ça se voit qu'on est samedi soir. Alors, je les ai tous trouvés, sauf le vert. Voilà. Donc, j'en ai 5, donc il m'en manque un. Voilà. Après, moi, j'ai bien aimé le rangement. Peut-être, en fait, ce que je ferai, c'est que je vais les virer de là.
et me récupérer le rangement. Ça fait 3,99 le rangement. Ça peut être un peu cher quand même. Hein. Voilà, donc ça c'est ma petite folie. Enfin, ça m'arrive souvent d'être folle, mais particulièrement de ça. Voilà, ensuite, toujours à Action, je me suis pris ce washi tape dans les couleurs orange et bleu. J'ai bien aimé, ce n'est pas des couleurs que j'avais sur celui-là, il y a marqué « Thank you ». Voilà, des chevrons, des banderoles, il était plutôt mignon. Ensuite, dans les promos de la semaine lundi, donc de mercredi dernier, vous aviez les paperclips, donc en forme diamant. Les grands, donc il y en a 13 de chaque, or et argent, 12 argent, pourquoi ça, je sais pas, et les plus petits, là vous en avez 100 de chaque, voilà, toujours au rayon des promotions, vous aviez les stickers, planeurs. Alors, moi, je ne les prends pas pour les planeurs. Oh, après, ils étaient sympas. Les couleurs étaient pop, fraîches. Alors, je vais essayer de vous montrer. Holographique, un peu tous les styles. Un peu. Alors, celui-là, il est dans les, je l'ai vu dans beaucoup de vidéos. Il est dans les tons gris. Voilà. Et... Give me stickers, please. Il est trop mignon, la présentation de celui-là. Voilà, il est dans des tons plus pastel. Il devait y en avoir d'autres modèles, mais moi, j'ai trouvé que ces quatre-là. Vous savez que je vais à Action le lundi. Donc, les promos sont depuis mercredi. Donc, comment vous dire qu'en général, je trouve pas grand-chose. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Ensuite, ah, petit aparté. Petit aparté. Kenza, je ne sais plus son nom, elle m'a demandé des badges. Alors malheureusement ils doivent être dans mes bacs. J'ai essayé de chercher un peu, franchement j'ai pas trouvé. Je pensais qu'elle était sur mes scraps mobiles, mais pas du tout. Voilà. Donc écoute, si d'ici que je fasse ma vidéo maison de tour de ma nouvelle maison, surtout je vous présenterai ma scrap room, n'hésite pas à me renvoyer un message, peut-être je l'aurai et je le retrouverai, peut-être je m'en suis pas servi, peut-être que si, franchement, ou alors c'est parti dans des colis parce que des fois j'envoie à des copines. Voilà, changement de sujet, on revient au haul. Donc je me suis acheté ceci, coucou, vous voyez la vidéo. Alors à la base, c'est fait, je vous montre, pour ranger le maquillage. Voilà. Alors là, il manque une vis, je viens de m'en rendre compte. Enfin, parce que vous voyez, il bouge. Mais bon, un petit brin de colle. Alors moi, je me le suis pris pour me ranger les pattes d'encre. Parce que j'ai trouvé super sympa pour ranger les petits pattes d'encre. Ou les tubes d'encre en spray, ou les poudres à embosser, ça c'était moins de 5 euros, 4,98 ou quelque chose comme ça. Je l'ai trouvé super mignon. Ensuite, désolée, j'aime pas trop faire du bruit, j'ai pris des boîtes. Parce que j'en avais, mon mari a foutu le pied dedans, mon ex-mari, précisons. Et il les a complètement destroyés deux. Donc, je m'en suis repris deux autres. Voilà. Quoi d'autre? Alors, on va essayer de faire ça bien. J'ai pris toujours dans les promos de la semaine ce petit bloc A6. Parce que j'aime bien me prendre des papiers pour mettre ce qui me vient à l'esprit au moment T. Alors, il y a marqué hashtag boss babe. Babe, c'est le cochon. Boss, c'est le boss. Là, il est ligné. Et le bord est de la même couleur que la couverture. Voilà. Voilà.
Donc ça, c'était moins d'un euro aussi. Je ne sais plus le prix, sincèrement. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé des Iron en glitter foil. Qu'est-ce que c'est que ceci? Voilà. Ça, c'était au rayon enfant. Donc, en fait, le principe, c'est des bases glitter que vous découpez à la forme que vous voulez. Parce que je ne crois pas que ce soit découpé. Ah, en fait, vous avez... Enfin, voilà, j'ai découvert autre chose. Moi, ce n'est pas du tout pour ça. C'est pour découper. En fait, vous passez le fer à repasser. Vous le mettez sur un vêtement. Vous passez le fer à repasser et ça vous met le truc glitter. Franchement, j'ai trouvé ça trop mignon. Je l'ai pris en rose et en vert. Voilà. Après, est-ce que je m'en servirai pour le scrap? Pourquoi pas? Des fois, pour du tissu, des couvertures tissu, ça peut être sympa. Et puis, la couleur me plaisait. J'ai fait ma girly, j'ai fait ma fifi. Voilà. Alors, pour action, j'ai terminé. Pour nos, ça va être très rapide. Alors, j'ai trouvé ceci. Alors, c'est un kit Hexaconta Scrapbooking Album. Donc, c'est un kit où il y a 10 pochettes. Alors, voyons. Voilà. Alors, je ne voudrais pas l'ouvrir. Voilà. Et puis, que vous voyez bien. Donc, il y a 10 pochettes avec 10 papiers unis dedans. Donc, voilà, c'est pour faire un album, naissance, mariage. C'est sûr que ce n'est pas pour mon mariage. Ou alors le prochain. Sincèrement, je pense pas. Mais bon, faut jamais dire jamais. Faut pas dire fontaine, je ne boirai pas de ton eau. C'est un proverbe que disait ma grand-mère souvent. Voilà, devant, vous avez un pochoir. Alors, vous n'allez pas bien le voir parce que beige sur beige, c'est pas terrible. Donc, je vais vous mettre comme ça. Vous avez ce qu'il y a. Alors, avec le contre-jour, c'est formidable. Des petits pieds, des nounours, des fleurs, des feuilles, des cadres. Le tout est découpé, voilà. Donc, dedans, il y a 10 papiers blancs. Et était fourni aussi avec le kit des rubans et des petites fleurs. Et des feuilles, vous savez, des feuilles. Comment on appelle ça? Pas des cadavres, je ne vais pas dire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais plus le nom, ça reviendra. Donc, à la base, il valait 4,99€. Il avait été soldé à 4,99€. Et Noz le vend 1,99€. Pour le prix, c'est de la marque Hexaconta. Kit Scrapbooking A4. Mariage. Ouais, super. Bon, vous êtes sûr que ce n'est pas pour mon mariage? Enfin, j'ai encore des photos de mon mariage arrangé. Mais bon, je les ferai parce que bon, c'est un moment heureux de ma vie. Je les partage avec ma famille, mes amis. J'ai pas envie non plus, sous prétexte que je me suis mariée avec un con, que je dois complètement effacer cette partie de ma vie. Voilà. Moi, je tourne la page. C'est tout. Il ne sort pas que du mauvais de cette relation. Il sort un petit garçon formidable. J'ai gardé des amis extraordinaires, même si certains m'ont beaucoup déçu. Je vous l'avais déjà dit, il y a un ami très proche qui m'a encore plus déçue. J'ai essayé d'avoir une explication avec lui et tout ce qu'il a su me dire, c'est qu'il voulait prendre des distances avec moi. Eh bien, qu'il prenne des distances avec moi. J'ai envie de te dire, ben, tu le regretteras un jour parce que, voilà, tant pis pour lui. Alors, il y avait aussi plein de rubans. Je pense que vous avez vu chez Noz, gros arrivage de rubans. Moi, j'ai pas tout pris parce que si vous écoutez, il y avait des cartons entiers. Je prends tout. Alors, j'ai fait une sélection. J'ai pris... Alors, tous les rubans valent 60 centimes. La dimension n'est pas la même suivant la largeur du ruban. Donc, ça, c'est les plus petits. Alors, attendez, on va se mettre comme ça. C'était des cactus sur fond vert. Donc là, il y a 4 mètres. Celui-là, il y en a 3 mètres. C'est des pots avec des petits arrosoirs sur un fond et des petits oiseaux sur un fond vert pâle. Voilà. Et le plus gros, franchement, celui-là, j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vu. Celui-là, il n'y a que 2 mètres. Il est bleu avec plein d'arabesques. Et vous voyez, il est même travaillé, c'est-à-dire que le milieu du ruban,
Il y a du ruban dans le ruban. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, ça, c'est tous mes achats. Je vais sûrement passer une commande chez Craftelier. Parce que je voudrais bien m'acheter pour poser le foil avec la silhouette. Je me fais mon petit craquage pour les soldes. Bon, c'est ainsi, j'étais plutôt raisonnable à Nose et à Action. Depuis mes énormes craquages, je tiens à préciser quand même. Et puis bon, histoire de me faire plaisir, il faut savoir aussi se faire plaisir dans la vie. Je sais que la silhouette, j'espère bien qu'elle me servira beaucoup plus dans la nouvelle maison. J'aurai une pièce beaucoup mieux arrangée. Ça, j'y tiens. Il faut que je le fasse. Parce que franchement, vous êtes trop vulgaire. C'est le bordel chez moi. Voilà. Donc, ça, je m'accroche à cet espoir. Bon, je suis toujours en pourparlers pour m'acheter ce terrain. Je croise les doigts pour que ça arrive vite. Hein. Bon, il faut le refaire borner. Je sais qu'il y a le bornage à faire avant que j'achète et puis qu'on soit d'accord sur le prix. Parce qu'elle est un petit peu gourmande, la personne. Et bon, je n'ai pas dû sur les Pyrénées. Je ne veux pas acheter un terrain à 50 euros le mètre carré. Je n'ai pas gagné au loto. Très loin de là. Puis tout ce que je ne mets pas dans le terrain, ben, je peux le mettre dans la maison. C'est quand même mieux. Je préfère quelque chose en dur. Voilà, on verra comment ça se passe. Et puis même avec mon ex, on verra au jour le jour. La semaine prochaine, c'est moi qui la garde. Donc, tous les jours, mon fils va partir avec moi au travail. Je serai hyper contente. Lundi, je me fais un resto avec une copine. Lundi à midi, histoire de décompresser un peu. Si je les avais pas, si j'avais pas cette soupape de sécurité, je ne sais pas comment j'avancerais. J'ai ma psy, je ne dis pas le contraire. Ça, essentiel à ma vie. Vous voyez, je fais même beaucoup d'efforts sur mon apparence physique. Je suis allée me faire faire une manucure. Bon, le vernis est en train de partir en cacahuète. Il a déjà 15 jours. Mais bon, j'essaye de faire attention à moi. Ça me change beaucoup de me recentrer sur moi. Sur moi. Voilà. Ben écoutez, la dernière fois, j'ai regardé mes vidéos YouTube depuis ma séparation. Qu'est-ce que j'ai changé ? Là, surtout. Physiquement aussi, bon, j'ai repris un peu de poids, mais bon, écoutez, ça ne m'empêchera pas d'être heureuse. Ça ne m'empêchera pas d'être heureuse et d'avancer. Et ça, je sais que je dois vous dire merci à vous aussi. Parce que vraiment, vous avez été beaucoup, beaucoup pour moi pendant ces temps-là. Et vous continuez à être beaucoup, beaucoup pour moi. Voilà. Donc, j'ai rattaqué mon Project Life. Bon, je peux vous montrer. C'était un que j'avais acheté. C'était un album que j'avais acheté chez Nose. 2,99€. Donc, il y a l'album et 10 pochettes. Et bon, on voit un petit peu au travers. Quelques pochettes. Voilà, je ne vous montre pas parce que ça fait partie de mon intimité. Puis comme je vous ai expliqué, les gens qui sont sur ces photos, si c'est moi que vous voyez en photo, il n'y a pas de souci, moi, ça ne me gêne pas de montrer ma tête. Mais les autres personnes, non. Donc, des post-it, c'est pas la peine. Bon, ça fait déjà 18 minutes que je parle, bientôt 19. Je ne vais pas tarder à aller au lit, comme ça on va faire un gros, gros dodo. Et puis je vous fais des gros bisous. Je vous aime très très fort et je vous dis à très très bientôt et à très très vite. Bisous bisous, ciao les filles.